La preuve. La preuve, c'est parti. Bonjour Sadio. Donc ça c'est question de papa Emta. Emka. Bonjour Sadio Mané, j'aimerais savoir quel est pour vous le plus beau but de votre carrière. Le plus beau but, j'ai marqué pas mal de jolis buts, mais bon, après, on a toujours le choix. Il y a pour le bon but. On rappelle de ton but contre Arsenal. Ouais, ça c'est, je pense aussi. Du pied gauche, non? Ouais, pied gauche. Après, c'est, je pense que l'OL n'est que c'est mon premier match officiel. Avec Liverpool, mais il faut gagner. Non, le but là, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. En plus, vous savez, on bougne ici le club, ce premier match, dans Dougal Jean Ribi, c'est comme si dans Dougal Nyep, c'était ton premier but en plus. Ouais, c'était mon premier but. Parce que j'ai. Ouais, c'était mon premier but officiel. Non, mais je pense que le but contre Arsenal, vive au bloc. Quoi. Mais après, j'avais marqué un but que j'ai bien aimé aussi quand j'étais à Salzbourg. Ouais, ça aussi, c'était fantastique. Mais bon, je prends le but d'Arsenal. Quoi. Comme non, quoi. Non, tu auras plus le temps avec un Cameroun. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a Ramon Gama. Daniel Ocetan. Daniel Ocetan. Ouais, c'est vrai. Mais Ramon Gama, quoi. Ah, Ramonal, bien sûr. Il y a une équipe nationale. Ouais. Tant, il y a eu, dans nos 7 dix ou pas. Tant, bon. Gars, il y a eu un tech photo. Il y a eu un écran, gars, qui est quoi. Il y a eu un lit, quoi. Il y a eu tout, quoi. Bon, il y a eu un lit. Ah, bon, il y a une question de Jabar. Nous posons une question de Jabar, quoi, le bougot. Ouah, si ça va, je suis content. Si je suis content, je suis content. Je suis content. Bientôt avec nous matin, Inch'Allah. Bon, question de Mili Donjay. Penses-tu être le meilleur footballeur sénégalais de tous les temps après le sacre à la dernière CAN au vu de ton palmarès? Mouné man. Mouné yo, est-ce que vous avez le meilleur footballeur de tous les temps? Est-ce que yo, ok. Avec yo, ce con... sacre, voilà. Le dernier CAN, le palmarès. Je vais poser la question, Bob. Par rapport à ces palmarès. Mon tonde. Écoute. Jamar. Tu es le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Jamar. Lolo, ça. Hola, lolo, aïe. Lolo, débat là. Ah non, lolo, Dubaï, d'où. Non, pas question à débat. Lolo, mon. Je pense que Sénégal. C'est que après. Dubaï, pas sa carrière, Dieu, nous y sommes. Voilà. Lolo, ça, lolo. Du lolo, comment t'es d'après ma gueule. Non, pas égo. On gara ou non. Ouais, là-bas. Non, mais je pense qu'elle a du plat, quoi. Bon, ni l'humain guise, mais il paraît qu'il y avait des jours où il y a maintenu. Ah, on a si quoi, mais comme Bokande, nous sommes encore 7 ans, mais. Non, mais là, on parle pas de joueur, là, il dit par rapport à Palmarès, les gars, quoi. Il a gagné à faire. Peut-être. Peut-être. Non, pas vraiment. Il a gagné un camp. Ouais. Gagné un camp. Ligue des champions, donc forcément. Mais yo, non, ok. On parle pas du joueur. Après, c'est un joueur. Jamar, n'yana ma yala, manek ko deng. Yala ba. Inch'Allah. Bon, question de Chama Sal. Comment est votre intégration au sein du vestiaire bavarois? Vous êtes plus fort comme étant un ailier? Est-ce que tu as eu l'opportunité d'en parler avec le coach pour un retour à ton poste de formation? Bon, déjà dans le vestiaire, déjà en ce moment-là, je me sens même vieux, hein, parce que des jeunes, mais que des jeunes. Hein. Bon, je me sens même vieux, d'amour, à 20 ans, quand la Togol, c'est la même place. Davis, avec Matisse Delict. 22 ans, donc, mais bon, ça va, c'est normal. Je suis un vieux. Mais je pense que Vessière, vous fantastique, là. Ils sont tellement sympas, gentils, et c'est des excellents joueurs, ils ont faim encore. Mais après, comme. Nous, moi, je
Je pense que j'ai joué toute ma vie en tant qu'ex-centre gauche. Donc forcément, à côté de Bobla, je suis à l'aise. Mais après, comme je me disais, comme je me disais, nous sommes dans le système et tout. Après, comme je me disais, il ne faut pas s'adapter, il ne faut pas se contacter de dire que je suis côté Birek, là, je vais jouer côté. Il faut des fois mélanger, maintenir. Je vais appeler l'équipe. Mais après, je vais le faire. Il faut me faire le coach. Ils ne sont pas fous, ils savent tout. Je vais le faire. Mais après, je pense qu'il va essayer de trouver une solution. Après, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu sois à l'aise. Tu t'adaptes avec. Et puis, le reste, ça viendra. Question de Momodou Kalidou Gissé. Quel match vous a le plus marqué avec l'équipe nationale? Et quelle est votre plus grande satisfaction dans votre carrière de footballeur? Je veux dire, quel trophée vous a le plus procuré de joie? Yo, nous n'y a pas la question. Facile. La Cannes. Non, je pense que c'est la Cannes forcément parce que mon année, mon bimane compte dès que ça. Dans nos états, ça, les championnats. Je pense que j'ai commencé à regarder les championnats. C'était en 2010-11 là commencé chez Etan championnat, mais dès que vous savez, l'équipe nationale est chez Etan quoi. Il y a une télé, il y a des noirs blancs, il n'y a pas de... tu vois, il y a des gens. Mais j'ai fait l'équipe nationale qui a donné son. L'équipe nationale, moi beaucoup donne football. Après le temps, vous savez, je suis chez Etan, à la Ligue des champions. Donc, on aussi. Non, elle a giflé. Elle a avec Ronaldinho. Il y a des jours là. Non, l'équipe nationale, elle a joué avec Ronaldinho. Ah oui, elle a joué, quoi. Même des fois, ça m'arrive. Si je suis étonné, elle a joué avec Ronaldinho. Je suis étonné avec Ronaldinho, quoi. Ça m'a me rappelé, quoi. Non, c'est bien le fait qu'il soit avec nous tout le temps, dès qu'il est avec nous. Mais je pense que l'équipe nationale, moi, t'as nié beaucoup de football. Je pense que c'est un débat, la CAN. Une gagne CAN, c'est comme si c'est. Voilà, il y a un trophée ingadien, c'est comme si c'est rien au live. Il y a autant forcément. Non, voilà, le match aussi, c'est la CAN. Ouais. C'est le match qui m'a le plus marqué. Ouais. Au but jusqu'à la fin. Si. Sadio qui délivre le peuple. C'était chaud, hein? Waouh. C'était tellement chaud. Ouais. Ah, oh. On en reparlera à la fin de notre carte. Si. Ouais. Bon. Question de Massamba Junior. Tu penses un jour revenir jouer dans le championnat local pour la fin de ta carrière professionnelle? Ça ira beaucoup mieux. Ah, mais ton Chessy? Non, je ne sais pas. Pourtant, je vais dire non, mais je ne sais pas du tout. Ce n'est pas dans mes plans, pas du tout. Mais mon gagnant, on arrête. Jamais. On arrête de jouer un an. C'est jamais. Le temps? Donc, il a dit non, c'est comme si. Boy. Non, c'est pas dans mes plans, je suis honnête. J'ai jamais pensé à ça, mais on sait jamais. Peut-être que d'ici la fin de ma carrière, ouais, c'est possible. J'aurais envie de revenir et juste prendre du plaisir avec le championnat local. Ouais, non, là, parce que j'ai jamais eu la chance de jouer le championnat local. Même moi aussi. Je suis parti juste avant. Ouais, moi aussi. Hein. Donc, pourquoi pas un jour, mais voilà, c'est pas dans mes plans. Ouais. Sadio. Tu es un fan là. Ah ouais. Es-tu content à Munich? Ghana, des regrets suite à ton passage au PSG? Es-tu content d'avoir. Ouais, Munich c'est Munich. Hein. C'est un grand club, plein d'histoires. Et puis, moi j'ai dit que ma décision beaucoup pour Dempo. Donc, après, comme nous avons dit. Top club. Inch'Allah. Après, Inch'Allah, il y a la Bahana. Les autres choses vont venir. Mais en tout cas, je suis content là-bas. Je suis content et puis je suis bien là-bas. Et puis voilà. Ankara, lol, ding. T'inquiète pas. Ankara, Ghana, des regrets suite à ton passage au PSG? Pas du tout. Aucun regret. Très, très content d'être passé dans un grand club comme le Paris Saint-Germain. PSG. Gagner le championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue, finale de Ligue des Champions. Mmh. Ouais, peut-être le seul regret de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions pour un club qui attendait ce trophée-là. Mais à part ça, très très content d'être passé là-bas. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi avec ce club-là. Ah, énormément de choses, en tant qu'homme et en tant que joueur. Il a appris de choses, c'est sûr. C'est que d'ailleurs, il y a Fashion Week. Je ne suis jamais allé là-bas. Arrête. Jamais, tu m'as jamais vu dans ces trucs-là. Ah ouais?
Jamais de la vie. Et Neymar, il dit le yobu fofu quoi. Non, Neymar. Non, jamais. Quand Neymar fofu, dans ce sens, il look tout, puis dans mes gars, il y a un pantalon, il y a un large. Un gars. C'est là pour les gars de pantalon. J'ai toujours été comme ça, ça. Yo, il y a des gars. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous êtes satisfaits. En attendant, salut.